On y va. Les dénominations de Rosh Hashanah. Alors, il y a trois dénominations. Dans la Torah, qu'on appelle le livre dans la Torah, le Pentateuque, ça s'appelle Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Ça, on traitera plus tôt la semaine prochaine. Et on parle de Yom HaZikaron, en même temps de Zichron Teruah, le souvenir par excellence de la Teruah. La Teruah, c'est en marque du chauffard. On parlera en même temps du chauffard. Je vous annonce le programme de la semaine prochaine, si Dieu veut. On va parler du minhag, de tout ce qu'on fait, le seder de Rosh Hashanah, la pomme, le miel et tout ce que vous voudrez. Et d'un autre côté, après ça, on parlera du chauffard, tout ce que représente le chauffard, la structure que représentent les sons, etc. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Dans la Torah orale, il y a deux termes qui sont employés. C'est trois, en fin de compte. C'est Yom Hadin, le jour du jugement, plus Rosh Hashanah, qui est le titre du traité du Talmud qui traite de la thématique de Rosh Hashanah par excellence. Mais ça commence par la phrase suivante, en nous disant que Arba'a Rashi Shanim Hem. Il n'y a pas Rosh Hashanah chez nous, bon, c'est un terme de la Torah orale, etc. Mais on nous dit qu'il y en a quatre. Il y a quatre nouvel an. On n'a pas un seul nouvel an, nous, on a quatre. Comme on n'avait pas une seule table, on en avait deux, alors c'était gratuit, alors on a quatre nouvel an. Le premier Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois et des fêtes. Alors le roi d'Israël est nommé, s'il était nommé aujourd'hui, par exemple, le roi d'Israël est nommé aujourd'hui, eh bien le lendemain de Rosh Hashanah, le roi va entrer dans sa deuxième année. Et de notre côté, si quand on donne les fêtes, le nom des fêtes, eh bien le mois de Tichri, c'est le septième mois. Parce que pour les fêtes juives, le premier mois de l'année, c'est le mois de Tichri. Et pas le mois de. Pas le mois de. Pardon. De Nissan. Premier, c'est le premier Nissan et pas le premier Tichri. Nous, comme nation, et nous, en tant que célébrant les éléments fondateurs, et actuel, puisqu'on parle des rois et en même temps des fêtes qui représentent les éléments fondateurs et de cette nation, et par conséquent, c'est la dimension, si vous voulez, politique, le roi et la nation. Ça va? Son histoire. Il y a un autre Rosh Hashanah, c'est le premier, pardon, premier Nissan, c'est la première Nissan. Le premier Elul, c'est la dîme pour les animaux. C'est la dimension fiscale. Tu vas payer tes impôts. Alors, c'est le fils. Tu as tant de têtes de bétail, tu en consacres un dixième au Cohen, etc. Le premier Tichri, alors ça compte plusieurs choses. Il y a le compte des années, la Shemitah, la septième année, le Yobel, la cinquantième année, les plantations et les légumes. Alors, si vous voulez, il y a un entremêlement de la dimension universelle, puisqu'on parle de l'année, avec la dimension sociale. La Shemitah et le Yobel, le rôle de la Shemitah et du Yobel, c'est pour freiner le surchauffement économique qui peut aliéner l'homme et le rendre esclave. Et le premier ou le 15 Shevat, c'est le nouvel an des arbres, comme on le sait, on a retenu le 15 Shevat. Et c'est la dimension de la nature. Alors, comme vous remarquez, une chose intéressante, c'est qu'il n'y a pas de fin d'année. Il y a quatre débuts d'année, mais il n'y a pas de fin d'année. Il n'y a pas de 31 décembre dans lequel on fait un vœu particulier pour l'année qui vient. Il n'y a pas. Chez nous, on continue. Chaque repère va manifester un bilan, une conscience de ce qui va fonder notre humanité. Au niveau moral. On pourrait développer ça, mais je vous donne juste des flashs pour ce genre de choses. Au niveau politique, ça représentera la sortie d'Égypte. On commence, hein, le premier Nissan. Au niveau de l'être de nature propre à Israël,
l'agriculture, l'élevage, le pâturage, c'est comment est-ce que nous vivons cette chose-là, alors que les goïms font à peu près la même chose, mais on le vit de manière différente. Au niveau social, il y a la Shemitah et le Yobel, je vous rappelle, hein, la Shemitah, c'est on ne plante pas, ça va, on ne plante pas, et on libère les esclaves. Le Yobel, on redémarre tout à zéro, on annule les dettes, etc. Pour les gens que ça intéresse, cette année, et on a un problème parce que, il y a ce qu'on appelle le prosvol. Si vous avez des gens qui vous doivent de l'argent, il faut vérifier en détail. Il y a moyen de faire un contrat pour faire en sorte que cette dette-là ne soit pas annulée. Et au niveau économique, naturellement, la fiscalité. Alors, il est question ici d'échapper aux seules lois de la nature comme normes sociales pour lesquelles seules les plus fortes subsistent. La loi de Darwin, celui qui subsiste, l'espèce qui va subsister, c'est l'espèce la plus forte, les autres, ils sont engloutis, ils meurent. Alors, c'est ce qu'on essaye de contrebalancer au niveau moral et au niveau de la pratique. Et si on a retenu principalement, pour parler de cette fête, le nom de Rosh Hashanah, c'est qu'il ne fait référence à aucun élément historique d'Israël, mais qui concerne l'humanité tout entière. Et c'est comme ça jusqu'au Avot, jusqu'à Abraham, Isaac, Jacob, etc., jusqu'au moment de la sortie d'Égypte, c'est avec ce calendrier-là qu'on fonctionnait. Premier de l'an, c'est pour Abraham, premier de l'an, c'est premier Tichri. Autrement dit, Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de quoi? De la création du monde. Et comme c'est le patron qui a créé le monde, eh bien, à chaque anniversaire, comme à chaque fin d'année fiscale, il fait un bilan. Comment se portent les choses? Et c'est sous le signe de Zecher le Maaseh Bereshit, retenez bien, en référence à la création du monde, que on fonctionnait jusqu'à ce moment-là. Et après la sortie d'Égypte, la Torah est donnée au peuple d'Israël, et ses célébrations, les fêtes et les Shabbatot, c'est Zecher le Tziat Mitzrayim. Alors on a deux pôles de référence, l'universel, création du monde, Tishri, et le local, national, nous, c'est Zecher le Tziat Mitzrayim. Donc, on a deux polarités bien distinctes. Encore une fois, l'année universelle, Tichri, et en filigrane, l'histoire d'Israël, la préhistoire, les Avot, et l'année qui commence à Nissan, qui focalise principalement sur l'histoire d'Israël comme nation. On va dire ça, si vous voulez, au niveau individuel, au niveau du prat de l'individu, Adam a reçu une mitzvah. Noé a reçu une mitzvah. Yaakov a reçu une mitzvah. Mais pour réussir l'histoire, le projet de Dieu, il ne faut pas un plat, il ne faut pas un prat, il ne faut pas une personne, il faut un clan, il faut une nation. Voilà ce dont je voulais parler. Ça, c'est si vous voulez, le panorama général. Et maintenant, en termes de liturgie, eh bien, si on a bien compris ce qu'on vient de dire, le premier Tichri, c'est quoi? C'est l'année universelle, l'histoire du monde. Et si j'avais aussi à fixer qu'est-ce qu'on devrait lire dans la Torah à Rosh Hashanah, eh bien, si c'est la création du monde, on devrait dire Bereshit Bara Elohim. La création, l'histoire de la création au début, le début de la Torah. Or, il n'en est rien. L'histoire de la création du monde, elle est mise de côté. Qu'est-ce qu'on va dire? Le premier jour, l'histoire de la naissance d'Isaac. Et le deuxième jour, l'histoire de ce qu'on appellera la Akedah, de son ligotement et non pas de son sacrifice, parce que le mot sacrifice n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu sacrifice. Et question dans le questionnement. Si on veut parler de l'histoire de
pas la création du monde, mais on veut focaliser sur Israël, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on aurait pu commencer par Abraham, non? Pourquoi Isaac? Voilà, si vous voulez, les questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors, Abraham, on va faire sa carte d'identité. Vous connaissez tous les Midrashim, je ne vais pas le répéter. Il réalise un beau jour qu'il y a un Dieu, il y a un maître d'œuvre, qui lui a donné à lui, Abraham, gratuitement la vie, par bonté, par ce qu'on appellera Chesed. Il faut s'habituer à ces termes-là. Chesed, bonté, générosité. Chesed, c'est gratuit. C'est tout, c'est gratuit. Chinam, c'est gratuit. Alors, Abraham va passer sa vie à vouloir imiter le Créateur et va ouvrir sa tente aux quatre directions. On dit que la vertu d'Abraham, c'est la vertu de Chesed. Mais il y a plus. Le Midrash ne dit pas que Dieu, qu'Abraham a découvert Dieu. Le Midrash dit Abraham hikir et boro. Il n'a pas connu Haboré, le Créateur. Non, celui qui l'a créé à lui. Mais pourquoi? Et alors, il se sent investi d'une mission. Il veut se prendre en main. Pour lui, il s'agit simplement de dupliquer, si vous voulez, l'attribut de Chesed de Dieu. Voilà, il est comme ça, je vais être comme lui. Et la seule chose qu'il connaît de Dieu, c'est cette dimension-là. Il m'a donné, alors moi aussi je donne. Je copie. La carte d'identité d'Isaac est complètement différente. De son père, il a appris que Dieu lui a donné l'être. Mais il prend conscience que ce don gratuit, il n'aime pas ça. On n'aime pas les cadeaux. J'ai rien fait pour, je l'ai. Non, j'ai rien fait. Ça ne me plaît pas, les cadeaux. C'est ce qu'on appelle le pain de la honte. La Neshama dans le monde d'en haut, elle est bien dans le monde d'en haut, mais elle n'a rien fait pour mériter, alors elle descend en bas. La Hamad Chisoufa, ça s'appelle. Le pain de la honte. Elle préfère manger le pain noir chez son mari le charbonnier pour lequel elle a travaillé que de rester au palais de son père où elle est là, niaisée, à ne rien faire du tout. Et il est prêt à payer le prix de l'être. Mais c'est quoi le prix de l'être? Qu'est-ce que je peux donner pour payer le prix de l'être que j'ai reçu? Eh bien, c'est lui-même. C'est mon être à moi. Et il est prêt à le rendre. Là, vous remarquerez qu'on parle du sacrifice, même quand on traduit mal, du sacrifice d'Isaac. Mais c'est faux, la Torah ne dit jamais ça. Nissa et Abraham, l'épreuve, elle n'est pas pour Isaac. Pour lui, il monte gaiement là-bas. Je suis prêt à payer l'être, je le donne. Pour Abraham, c'est plus difficile, bien sûr. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on demande qu'il puisse reconnaître ce qui est son fils. L'Arkéda s'est fait une épreuve pour lui. C'est presque le contraire à la limite. Les chrétiens ont l'habitude de dire qu'il était prêt à donner sa vie pour plaire à Dieu. Mais en fin de compte, ce n'est pas sa vie qu'il a donné, le fondateur du christianisme. C'est sa mort. Des gens, bon, on ne peut pas faire ce qu'il y a à faire, on se suicide, je meurs. Mais orienter toute sa vie dans ce sens-là, c'est tout à fait autre chose. Isaac, c'est l'illustration d'une vie mue essentiellement par une attitude, des attributs de rigueur, de justice, ce qu'on appelle le din, justice, la gvoura, la vaillance. Pour mériter son être. À chaque instant, puisque on nous parle de paha d'Isaac, la terreur d'Isaac, vous imaginez, vous passez votre vie à vous demander est-ce que ce que je fais, ça contribue à mériter ce que je suis, ce qu'on m'a donné, c'est épouvantable. On n'y arrivera pas.
On ne peut pas vivre comme ça. C'est une vie qui demande une analyse de conscience de chaque instant. Et il est content d'être là, il est content, il est là, mais il sait qu'il pourrait ne pas être là. Et ça se retrouve dans son nom. Le mot de Yitzhak est composé des lettres Hay, la vie, et Ket, la fin. Il oscille entre la vie et la mort. Il ne devait pas naître, il est né. Il ne veut pas vivre. La Hakeda lui a dit non, il faut qu'il continue à vivre. Alors, on a ici deux cartes d'identité avec des vertus opposées, parce que quand je suis occupé de faire la mitzvah de Hesed, de charité, je viole l'attribut de rigueur, parce que je t'ai donné et tu ne mérites pas. Et quand je te juge et je te donne rien tant que tu ne mérites pas, je viole la mitzvah de Hesed. J'ai aucune générosité. Voilà pour les deux cartes d'identité d'Abraham et de Isaac. Et maintenant, on va s'occuper de la carte d'identité de Dieu. Quelles sont les motivations de la création du monde? Alors, au départ, on a un principe... Je m'excuse de t'interrompre. Tu peux répéter la carte d'identité de Isaac? Je n'ai pas compris. C'est Midas Adin. Il est prêt à rendre son être pour le mériter. Isaac ne s'est jamais opposé à son père. Quand il lui a dit on va aller là-bas. C'est ce qu'on dit dans la Hakeda, qu'on lit « Roquette d'année à Kaïd à Misbeyar ». Le sacrificateur, c'est Abraham. Le sacrifié, c'est Isaac. Et jamais il se plaint. Est-ce qu'il le sait qu'il va être sacrifié? Bien sûr. « Ve'aïe à Céléola », le texte nous dit. Et il dit à son père, « Papa, tu as oublié la loi, dis-moi où il est le bélier pour le sacrifice ?» Et Abraham répond, « Hachem, il est l'eau à Céléola, béni. » Alors, je traduis mot à mot, Hachem, papa, où est le billet pour l'agneau du sacrifice? Et Abraham lui répond, Hachem, il est l'orasé. Dieu choisira son agneau. Mon fils, pourquoi tu dis mon fils? De qui tu parles? Et le Midrash vient de me dire, si c'est l'agneau, tant mieux, ou tant pis. Et si ce n'est pas l'agneau, ce sera toi, mon fils. Et le texte continue. Bayelechou, Shenehem, Yahdav. Ils marchaient ensemble. Le sacrificateur, le sacrifié, vont ensemble vers l'autel. Ça va? Oui. Alors, regarde l'évangile de Dieu maintenant, si vous voulez, les motifs de la création. Dans son attribut de chesed, de générosité, Dieu décide de créer un monde. Le texte nous dit « Chesed olam ibané ». Le monde a été construit sur l'attribut de chesed, de générosité. Et le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, nous dit pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Très simplement, il répond l'Hétiv à la Biliot. L'Hétiv est à Biliot, pardon. La Biliot, je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre. Pour que les créatures puissent jouir, puissent expérimenter le bien. Et le mot bien, il faut le dire avec un B majuscule gothique. C'est ça la première volonté de Dieu. Pourquoi Dieu a créé le monde? Vous pouvez répondre à la question. Mais la question que je me pose, et il ne faut pas trop se la poser, parce qu'on peut capoter rapidement. Est-ce qu'il avait le choix? Étant donné qu'en lui, il y a la mida de Hesed, c'est un être qui donne, alors il n'a pas le choix que de créer le monde. Mais ça veut dire que Dieu est contraint par. Or, ça ne peut pas marcher créer le monde pour Dieu. Pourquoi? C'est parce que Dieu remplit tout l'espace. Et pour pouvoir créer un monde, il faut faire de l'espace pour l'autre. Et c'est tout le thème
qui est développée par les Mekoubalim, du Tzimtzoum. Dieu annule un point de son âme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je peux pas... On peut l'imaginer, si vous voulez, une chambre, le monde est ramené à une chambre pleine de lumière, et à un moment donné, il y a un point où il n'y a plus de lumière. Ce qu'on appelle le halal, il n'y a plus rien dedans. Il reste une trace quand même, hein, diront les Mekoubalim. Mais voilà, il crée ça. Alors, pour créer un vide, et pour cela, Dieu doit se faire violence à lui-même. C'est la vertu opposée au don, c'est-à-dire la nécessité de créer un monde. Un monde qui va dans le don, c'est le monde qui va dans toutes les directions, qu'on appelle Gevura, c'est la vertu opposée au Hesed, c'est la Gevura, la vaillance, la rigueur, la justice. Et Dieu est obligé de se faire violence. C'est ce que le texte nous dit. Ezeu Gibor, c'est quoi un vaillant? C'est quoi un vaillant? Un vaillant, c'est quelqu'un qui est plus fort. Il gagne toutes les guerres. Il gagne à tous les coups. Il gagne à tous les coups contre des plus faibles que lui. Ça ne veut pas dire qu'il est le plus fort. Il n'a qu'en face de lui, il n'a que des plus faibles en face de lui. Ezeu Gibor, a Kovesh et Yisro. Celui qui est capable de maîtriser son être, d'aller contre lui-même, d'aller contre sa nature de chesed. C'est ça, la Gevura. Je suis vaillant si j'arrive à me contrôler. Ma nature, c'est d'exploser. Je suis vaillant, je me contrôle. Je ne laisse pas aller ma nature l'emporter dans telle et telle autre situation. Et là, on apprend tout de suite deux choses. C'est que le chesed, l'amour, doit impliquer la rigueur. Autrement, s'il y a de l'amour, eh bien, on ne peut pas faire du bien à autrui. En éducation, on a très bien compris ça. Si on laisse passer à nos enfants tout ce qu'ils ont envie de faire, eh bien, on n'est pas de bons parents. Donc, le chesed, encore une fois, va impliquer la générosité, l'amour, va impliquer une forme de rigueur. Qui aime bien, châtie bien, pour le dire de manière très... Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que le Yudmoud est l'Aïloui Nishmat Nissim Bar Jamila. Ça, c'est... Tous les Limoudim de l'année sont l'Aïloui Nissim Bar Jamila. Merci. Et deuxième chose qu'on apprend, c'est que ma vie à moi n'aura vraiment de sens pour moi que si je l'ai mérité. Le fils de papa qui a hérité de la fortune de papa, même s'il a développé un peu ou bien s'il a dilapidé, quel mérite il a? Le gars qui parle de scratch, celui-là, il a le mérite. Il était capable de. Il était capable par lui-même de participer à l'élaboration de sa vie. Ça va, cette idée-là? Et c'est ça l'histoire qu'on lit à Rosh Hashanah. Le premier jour, Dieu se fait violence. Le premier jour, c'est on raconte la naissance d'Isaac. Dieu se fait violence. Il surmonte en quelque sorte à sa nature. Et la nature de Dieu, c'est il emplit l'espace. Il est partout. Il n'y a pas de place pour lui, pour autre chose. Il n'y a pas de place sous le soleil pour la flamme d'une bougie. Le deuxième jour, la Hakada de Yitzhak, maintenant, qu'est-ce qui va primer dans la gestion du monde? Est-ce que ça va être le din, la rigueur? Ou est-ce que ça va être le chesed, l'amour? Pour les chrétiens, il n'y a pas de problème, c'est le chesed. Et comment ils ont fait? Ils ont aboli la loi, il n'y a plus de loi. Donc il y a l'amour. Maintenant, comment ils ont fait ça dans leur histoire? C'est une paire de manches. Hein, ils ont retourné la croix, ils en ont fait une épée. D'accord?
Pour l'islam, din, la rigueur, la loi prime sur tout. Et est-ce qu'il existe une solution de continuité? Oui. Il faut ligoter la loi. Il faut ligoter le din. Elle est toujours là. Mais elle doit être compatible avec l'objectif premier qui était quoi? Le hesed, pour que la créature puisse expérimenter le bien absolu. C'est ça le rossi du deuxième jour qui montre qu'Abraham n'est pas chrétien, que Dieu n'est pas musulman. La loi est là, mais elle ne prime pas sur tout. La vertu d'Abraham qui renonce à immoler le din prouve une chose, c'est que son chesed est compatible avec la vertu opposée. On peut relire l'histoire du sacrifice qu'on appelle vulgairement de la manière suivante. Abraham est content de pouvoir sacrifier la vertu opposée à la sienne. Je veux avoir qu'un monde de bonheur, de béatitude. Le hazel, on s'aime, on s'aime, on s'aime. On pardonne à Hitler, on pardonne à tout le monde. On tend l'autre joue. Mais ce n'est pas juif, ça. C'est l'idolâtrie. Avec comme idole le hazel, l'amour. Rien de plus. Et par la suite, cette compatibilité avec la vertu opposée montre qu'il n'est pas idolâtre. Ce sera bonjour. Par la suite. Pardon. Une seconde. Oui, bien sûr. Tu viens de dire que Dieu n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il est juif. Non. Je reprends, tu as raison. Je vais préciser. D'abord, montre que Abraham n'est pas chrétien. Parce que si Abraham était chrétien, eh bien, il aurait complètement égorgé Isaac. On abolit la loi. Et rappelez-vous, c'était sa première tendance à Abraham. Quand il lui dit « Ne touche pas cet enfant, ne lui fais rien du tout », le Midrash explique. Mais Abraham lui dit, mais je ne peux pas lui faire une petite entaille, quelque chose comme ça, tu ne touches pas. Et à la fin, qu'est-ce que le texte nous dit? Atayadati, maintenant je sais, qui yere Elohim ata. Que tu crains la midat adin. Quand tu dis yere, ça veut dire que tu crains et que tu reconnais cette midat. Tu reconnais qu'il n'y a pas que l'amour dans le monde, il y a autre chose que l'amour dans le monde. Il y a une rigueur. Et j'ai ajouté maintenant que Dieu n'est pas musulman parce que pour Dieu, il n'y a pas que le din qui prévaut, il y a aussi le chesed. Parce que sans le chesed, à la première infraction, ben, tu vas en enfer. C'est plus clair, Moïse? Alors, s'il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman. Qu'est-ce qu'il est? Je n'ai pas dit que Dieu n'était pas chrétien. Je dis que Abraham n'est pas chrétien. Non, c'est pas ce que tu as dit. C'est pas grave, maintenant j'ai compris. J'ai compris, c'est parfait. Excuse-moi. J'ai dit autre chose que Abraham n'est pas chrétien. Non, tu as dit que Dieu n'est pas chrétien et Dieu n'est pas musulman. Non. Si je l'ai dit, je me suis trompé, je ne crois pas. J'ai compris. Ok. Ça va, ça, jusque-là? Oui, merci. Alors, vous voulez, Abraham s'entend bien avec la vertu opposée qui est celle de Isaac. C'est parfait. Il arrive à dealer avec, si vous voulez, et par la suite, cette compatibilité avec les autres valeurs va aller jusqu'à la Mida de Yaakov, qui, lui, va être capable de faire l'harmonie entre les deux. Ce que vous explique, que Jacob a deux femmes, en fait quatre, deux femmes, une pour compenser chacune des valeurs. Regardez la vie de Isaac. Isaac, il ne veut pas de cadeau. Quand le roi des Philistins vient le voir, il dit « Qu'est-ce que tu viens faire chez moi maintenant? Tu m'as foutu à la porte il y a quelque temps. Lâche-moi la grappe. » Il ne fait pas de cadeau. Il a une seule femme. Il a une seule valeur. Le din, la rigueur, qui est compensée par
sa femme Rivka. Vous vous rappelez de l'épisode ou pas? Quand Eliezer va chercher une femme pour Isaac, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une femme qui soit capable de donner à boire au chameau, qui soit capable de générosité, pour contrebalancer la vertu de Isaac. C'est l'homme du din, de la rigueur. Alors, s'il a une femme dans le même sillage, c'est fini, quoi. Ça ne marchera pas. Non, il faut Rivka qui va venir compenser. Pour Rivka, il va venir dire, une petite seconde là, ton amour pour Ésaü, il n'est pas correct. Il n'est pas correct. Il est en train de t'arnaquer. Mais toi, tu ne vois pas le mal. Alors, je te montre. De la même manière qu'Abraham, il a une femme. Sa femme, c'est Sarah. Et Sarah, c'est quoi? Elle ne fait pas de cadeau à Agar. Elle est rigoureuse. Moi, je ne peux pas avoir d'enfant. Prends ma servante. Et si la servante, elle fait la soif, alors fous-la à la porte. Il y a tout un thème à développer par rapport à ça. Yaakov, lui, eh bien, c'est type, elle est l'harmonie, les deux, le Hesed et la Goura, et il a deux femmes pour compenser chacune de ces vertus-là, l'une pour Hesed et l'autre pour Goura. Oui, mais c'est parce qu'il s'est fait avoir qu'il a les deux femmes. Mais ça, c'est si on lit la Torah comme un dessin animé. Mais en fin de compte, il avait besoin des deux femmes. Il a ces deux tendances-là, et puis ces tendances, chacune de ces tendances doit être compensée, si vous voulez, équilibrée par la femme qui correspond à cette tendance-là. Par exemple. Mais ce n'était pas son choix. Oui, non, mais il faut pas s'arrêter aux motivations pratiques. Je crois qu'on peut et on doit à la limite dire que c'est parce qu'il avait les deux midot, à la fois d'Abraham et de Isaac, qui voulait les concilier, qu'il avait besoin d'une femme, dans certains cas, pour concilier l'une et pour concilier l'autre. Maintenant, c'est savoir laquelle est laquelle. Alors ça s'étudiera probablement quand on arrivera aux parachutes, à ces parachutes-là, mais je ne voudrais pas dévier du giron central maintenant. Mais il ne faut pas tomber dans... Je m'excuse, j'aurais compris s'il avait choisi, lui, d'aller chercher une deuxième femme. Il aurait pu répudier la première. Il aurait pu répudier Rivka. Léa. Rachel. Non, Léa. C'est Rachel, il était amoureux de Rachel. Alors, du Manuel Léa, bon, très bien, j'ai répudié, je ne veux plus rien savoir avec elle. Mais il lui fait des gosses, il lui en fait 7. Mais il préfère naturellement, il préfère. Rachel. Rachel, allez. Mais c'est pas grave, l'autre, elle est mal aimée. C'est comme ça qu'on traduit qu'elle était haïe. Haïe, c'était elle était mal aimée. Ça va? Elle était quoi? Mal aimée. Mal aimée, oui. Haïa, j'aime qui sait nous aller. Hein. Oui. Bon, alors, les Haremis vont remarquer que la Torah prend des circonvolutions pour ne pas dire des choses pareilles. Alors, elle traduit « Sénoa » par « mal aimé ». Voilà. Ce n'est pas celle qu'il aurait voulu, mais il l'a gardé quand même. Il a pris deux autres après. Il a pris deux autres après. Il a pris quatre. Non. Servante. Quand une était enceinte, l'autre servait de mère porteuse. Rien de plus. Mais les femmes... Quatre. Oui. Encore. Non, il a quatre femmes. Il n'a pas quatre femmes. Non, il a deux femmes. Rachel et Léa, chacune, et quand une n'est pas capable d'avoir d'enfant, alors on lui donne une mère porteuse, la servante de Léa et la servante de Rachel. Eh ben dis donc, que dangereux. Bon. Mais vous savez, la Torah, elle n'a pas dépensé comme ça. Je vous rappelle pour mémoire la phrase de Jacob à Laban. Il dit, bon, alors maintenant, voilà, j'ai travaillé 7 ans, eh bien, demande à ma femme que j'ai couché avec elle.
Et Rachid dit quoi? Même le plus grand des vagabonds ne parle pas comme ça. Non, c'est que pour lui, aller coucher avec elle, c'est je vais faire des enfants, c'est tout. J'ai besoin de faire des enfants. C'est pour ça que je suis venu. Il faut continuer les lignées. Donc, il n'y a pas d'esprit particulièrement malin là-dedans. Ça va. Il faut enlever toute connotation moderne, si j'ose dire, de ces propos-là. Et à quoi elles servent? À faire des enfants, les mères porteuses. C'est tout. Comme Agar, qui a servi de mère porteuse pour Ishmaël, et on connaît le prix qu'on a eu à payer, et qu'on paye encore du reste. Exactement. Ça va? Et encore une fois, alors c'est ce que je vous dis, Vayeverou Shedem Yardav. Quelle est la vertu qui va primer, si vous voulez, dans la gestion du monde? Ben, c'est la vertu de Yaakov. Ligoter le din, ne pas laisser le din aller n'importe où. Et c'est un peu ça, ce que Yankelevitch disait. Lorsqu'il disait l'homme est un impossible nécessaire. Nécessaire à cause du chesed de Dieu qui veut faire du bien à l'homme, qui veut que l'homme puisse profiter du bien, et impossible parce que dans le monde du soleil, il n'y a pas de place pour la bougie. Et c'est là, si vous voulez, la contestation des anges. Au moment où Dieu a voulu créer l'homme, les anges sont arrivés. Alors, on pourrait relire le Midrash, il est intéressant, mais on va la faire très rapidement. Et il y en a qui disent, on va le créer, c'est bon, tu peux le créer. Et ils disent, non, surtout, ne le crée pas, voilà, il a telle qualité. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il lui répond quoi? Trop tard, je l'ai déjà créé. Et quelle est la stratégie de Dieu dans cette histoire-là? Pourquoi il prend un risque? Eh bien, si on lit bien la Torah, on va voir que au moment où la Torah nous dit que Dieu a voulu créer l'homme, il a dit « Na'ase Adam betzalmenu kinmuden » « Faisons l'homme à notre image ». Et les Haramim posent la question, ils répondent « Shalom, Moïse, quand Dieu a dit à Moïse écrit ça, Moïse lui a dit « Dis-moi, tu donnes des arguments aux nations du monde qui disent qu'il n'y a pas un seul Dieu. Narration, pourquoi pluriel? Et Dieu lui répond, écrit. Et que celui qui veuille se tromper, ben qu'il se trompe. Oui, mais Dieu, il a une entourloupette là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a quand même écrit narration. Et la réponse est la suivante. C'est qu'avec qui il s'est consulté, c'est qu'il narration. Eh bien, c'est à l'homme lui-même. Naasé Adam, toi et moi, nous allons fabriquer un homme. Mais qui c'est toi? On va plus par la suite le Ben Adam. Pardon? Quand tu dis toi et moi, c'est qui toi? Toi, l'homme, représenté parce que représentera l'homme par la suite, par celui qui va rentrer dans l'histoire, même s'il n'est pas encore là. On peut imaginer que Dieu se parle à lui-même et qu'il fait un jeu de rôle. À la fois, il se fait le bon Dieu et il se met à la place de l'autre. Et tu es d'accord? Autrement dit, Dieu réfléchit. Est-ce que je ne suis pas un petit peu en train de me monter à la tête? Mission impossible. Et à ce moment-là, il a décidé que non. Naasé Adam, c'est la première alliance de Dieu avec l'homme, à laquelle nous allons nous référer à Moussaf de Rosh Hashanah, qu'on nous dit, Rorat Hashem, Zocher Haberit, souviens-toi de l'alliance, pas l'alliance avec Abraham, bien sûr qu'on pense à ça, mais il y a une autre alliance antérieure, l'alliance avec l'humanité en potentiel, l'homme, oui ou non? Est-ce que c'est possible ou pas? Dieu se pose la question lui-même. Peut-être qu'il rêve en couleur. Les dragimes vont vous dire que
Il est têtu, il est tenace, Dieu, parce qu'il a créé d'autres mondes, il a dû les détruire. Est-ce qu'on continue, on refait l'expérience? Eh bien oui, il est têtu, il a le temps, il a l'éternité pour lui, jusqu'à ce que ça marche, oui. Et quand le texte nous dit que quand Dieu dit que l'homme a déjà été créé, ça veut dire quoi qu'il a été créé? Mais il a été créé dans la durée. Ça veut dire que l'histoire de l'homme se justifie dans la durée, en attendant le jugement final. Et on comprend maintenant tout le thème de la stérilité des mères. Tant que les conditions du progrès, des engendrements, n'est pas rempli, eh bien, il y a un blocage. Il y a une possibilité de... On ne parlera pas de la stérilité de toutes les femmes. Non, on va parler des femmes qui sont capables d'engendrer des engendrements. Tant que les conditions ne sont pas remplies, ça bloque. À quel moment ça se débloque avec Abraham et Sarah? C'est quand elle lui dit « tu es ma sœur » et qu'elle lui dit « tu es mon frère ». Ah, on commence déjà à y voir un peu plus clair. Il y a des êtres qui sont prêts à démarrer. Ça va, avec cela, on peut faire quelque chose. Ça vaut le coup de faire un miracle. Et c'est aussi, le thème du premier jour. Dieu s'est souvenu que il y avait une Sarah et qu'il y avait moyen de faire quelque chose entre elle et Abraham. Et c'est surtout renforcé par la haftara du premier jour, la prière de Hannah. La stérilité de Hannah. C'était pas encore prêt. Et la paracha que nous allons lire en Rosh Hashanah nous raconte quoi? L'histoire de la première mouture des engendrements réussie. La paracha des engendrements, tout est là-dedans. À travers l'histoire, ce sont les engendrements qui font qu'on se rapproche, un peu plus. Vous rappelez le nom des parachiotes? La première, c'est Bereshit. La deuxième, c'est Noach. Comment commence la paracha de Noach? Elle est Toledot Noach. Voici les engendrements de Noach. Et après, il dit Noach et Tsadik. Et pourquoi c'est pas Toledot? Ah, parce que Noach, il n'engendre rien du tout. Noach, il tourne à vide. Et les Toledot Noach, il n'a plus une photocopie de Noach et ça a continué. Par contre, Ve'ele Toldot Isaac ben Abraham. La naissance de Isaac porte le nom de Toladot. Toldot. C'est ça les engendrements qu'il faut réussir. Et ça commence. Ça démarre bien. Ça commence avec Isaac. Mais c'est... je t'entends pas, Sylvain. Tu es mute. C'est là, c'est en dessous de Toledot où il y a les deux vins, c'est ça? Je suis pas sûr, non. Non. Les deux vaves, je crois, ils sont dans l'histoire de Ruth. Ah, okay. Oui. Je peux le vérifier, si tu veux, mais c'est dans l'histoire de Ruth. Vélez, Toldot, Pérez, c'est ça. Moi, une seconde, je vais te vérifier, si tu veux. Oui, mais les Toldot, avec les deux vaves, c'est dans l'histoire de Ruth. Ça va? Alors, celui qui est né, celui qui fait partie des Toldot dans le bon sens, eh bien, c'est Isaac. Parce qu'il sait qu'il est aussi entre la vie et la mort. Il sait qu'il... Il faut qu'il mérite à chaque instant. C'est ça. Et si on réfléchit bien à la chose,
toute naissance est quasiment aussi impossible que celle d'Isaac, tout comme la création du monde. On a vu qu'il y avait une impossibilité dans la création du monde. Dieu remplit tout et pour les bassins vides. Il faut qu'il y ait une création ex nihilo. Il l'a fait. Mais toute naissance est exactement la même chose. On est, comme dit Manitou, on est tellement habitué à la naissance, à l'apparition de l'être, de l'enfant, qu'on ne réalise plus tout ça. Si vous connaissez des femmes qui n'ont pas été capables d'avoir d'enfants, allez leur parler. Elles vont vous dire que j'arrive pas. Pourquoi j'arrive pas? Bon, ça c'est le bon Dieu qui dit pourquoi elle n'arrive pas. Mais quand un enfant arrive, c'est Yesh mais Aïn. Il n'y avait pas Aïa. Je ne parle pas du corps de l'enfant. Je parle du regard de l'enfant. Je parle de la nouvelle âme qui est là. Elle est là devant nous. Et c'est un être qu'il va falloir éduquer parce qu'il n'en a rien à faire de sa préhistoire. Il faut que je lui apprenne qu'il y a des choses à faire, etc. etc. Mais chaque naissance est un miracle. Mais on le perd de vue, ça. C'est une telle prodigalité d'enfants, d'enfantement que bon, ça fait partie des choses courantes. Mais quand on y pense bien, il n'y avait pas Ya, et ce n'est pas un corps seulement, c'est un être, avec toute sa personnalité, toute sa psyché et tout ce que vous voudrez. Et maintenant, si j'ai été assez clair, vous entendez le parallèle entre deux, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, et Vachem Pakad et Tzara. Vous voyez que c'est le même processus, une impossibilité qui arrive et qui se concrétise. Dans les deux cas, une création ex nihilo. Pour le monde, c'est au niveau de Elohim, Bereshit bara Elohim, Midat Hadin, rigueur, et pour l'homme, c'est Vachem Hashem. De la miséricorde. Et toute la vie d'Israël sera justement de justifier au niveau du din strict de son point de vue. C'est lui notre modèle. Accepter d'être ligoté comme des anges avec un seul pied au service de Dieu. Et c'est nécessaire jusqu'à la mort. C'est comme ça qu'on commence à prier tous les matins, par le rappel de la Akedat Yitzhak. On est au garde à vous. On est à ton service. On va faire ce que tu demandes de faire, pas pour toi, pour nous. Et en même temps pour toi, pour que l'égoïme ne puisse pas dire que, etc. C'est ça la prière du Rosh Hashanah. Toi, Dieu qui aujourd'hui va juger le monde, Yom HaDin, comme on l'appelle, avec une mort totale, on en parlera la semaine prochaine, Yom HaZikaron, sache qu'on se réclame de la vertu de Yitzhak, qui incarne la Midat HaDin à travers deux choses, si vous voulez, à travers le chauffard, qui va rappeler l'histoire de la Akeda, et à travers en même temps la création du monde. Quel lien il y a entre le chauffard et la création du monde? Quelqu'un a une idée? Enfin, quand on parle de la création du monde, en fin de compte, c'est un abus d'engage. C'est la création de l'homme. Et la création de l'homme, c'est le premier Tishri. Hein? Le monde a commencé 6 jours avant. Quel lien est entre les deux? Comment les experts parlent. Bravo. On a soufflé le... C'est ça. Quand est-ce que l'homme apparaît? Lorsque Vaipar, Dieu a soufflé dans ses rimes, Nishmat Hayim, un souffle de vie. Et c'est ça le son du chauffard aussi, c'est souffler pour rappeler qu'il y a un souffle de vie avec toutes les conditions qu'on verra la semaine prochaine. Et pour boucler la boucle, pourquoi est-ce qu'on commence avec l'histoire de Isaac et pas avec l'histoire d'Abraham? Bien, parce qu'Abraham, c'est une charnière entre le monde d'avant et le monde qui va venir maintenant. Et le premier être, entre guillemets, c'est une aberration ce que je veux dire, le premier juif
dans l'histoire du monde, ce n'est pas Abraham, c'est Isaac. Même si on appelle le premier hébreu Abraham à Ivry, mais le premier, ben, Abraham, on le prend au vol quand il arrive. On le prend à l'âge de 75 ans. Mais avant ça, la préhistoire. Alors donc, on va commencer par Isaac, comme tel, pour les différentes raisons qu'on vient de donner. C'est pas l'impossible nécessaire qui est là, qui advient et qui nous sert de modèle. Et on demande à Dieu de... Voilà, on se réclame de lui. De la même manière que quand on va prier sur la tombe de Rabbi Meir ou de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on prie. On dit à Dieu, tu sais, lui c'est mon modèle. Alors, ce modèle-là, on s'adresse aussi au modèle, on dit, sois sympa, dis-lui que je suis là et voilà, donc, voilà ma shopping ville, voilà ce dont j'ai besoin. Voilà. Voilà. La prochaine fois, on étudiera des choses plus en détail, mais la question première, si vous voulez, c'était quoi? C'était le pourquoi est-ce qu'on raconte l'histoire? On raconte pas l'histoire de la création du monde, parce que le monde, on s'en fout pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est l'être du monde. Et celui qui est en plein sur l'autoroute de la création du Ben Adam, du fils de l'homme, c'est Isaac. Pourquoi? Bien parce qu'il a un souci de rigueur. Alors, les gars qui ont leur compte en banque aux enfants, et comme il a dit l'autre, Gad Elmaleh, il a dit, je vais lui enlever la Porsche et il va avoir la Mercedes. Il va voir ce que c'est galérer avec la Mercedes. C'est fini, c'est comme ça. Bon, ben, je comprends que le gars, il galère, quoi. Voilà, en gros, ce que j'avais à vous dire sur l'entrée en matière de Rosh Hashanah. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des ajouts? Jo, moi, j'ai une question sur le dernier point qui n'a peut-être pas à voir avec ce que je livrais de ce soir. Quand tu as dit quand on va prier chez les tzadikim, est-ce que quand on prie un homme, c'est un être humain, un rabbin, un plus grand tzadik que tu veux, c'est un être humain, est-ce que ce n'est pas une forme d'idolâtrie? Est-ce que j'ai peut-être dit trop vite la fin. Ce n'est pas lui que je prie. Je lui demande d'intercéder en ma faveur pour. Oui, ça, mais ça, tu as raison. Toi, tu le dis comme ça. Je pense que la majorité des gens qui invoquent... Non, ça, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Ah ben, je clarifie, je ne dis pas ça. Non, tu veux que je dise du mal des Juifs? Tu veux que je dise du mal de ces gens-là? Mais je ne vais pas dire du mal de ces gens-là. Ils ont leur émouna, leur poids, tu comprends? Dieu, c'est beaucoup trop loin, alors lui, il est plus près. Mais ce que je te dis, parce que les kilvé sadikim, ça existe. Oui. Et on fait la iloula et tout ça. Quoi? Qu'est-ce qu'on célèbre? Le type de vie, mon modèle, c'est Rabbi Shimon. Mon modèle, c'est Rabbi Chaim Pinto. Il a fait des miracles. Pourquoi il a fait des miracles? Parce qu'il est allé voir Dieu. Il lui a dit, tu sais, celui-là, bon, il a l'air comme ça, mais il n'est pas vraiment comme ça. Alors, il est comme si. Alors, si tu pouvais lui faire un petit comme ça, eh bien, ça arrangerait les choses. Mais allez imaginer, ben, ça, ce serait une erreur. C'est une erreur grossière, à la limite. Et il faut faire très attention à... C'est pour ça que je pose la question. Donc, quand tu vas vénérer un tzaddik... Il y a des êtres qui ne sont pas des tzaddikim. Un type comme, Einstein, il porte de vénération pour sa science, pour ses connaissances, etc. Il a apporté beaucoup, mais ce n'est pas le bon Dieu. Il peut faire beaucoup de choses pour l'humanité, mais pour moi, comme tel, dans mon problème que j'ai avec mon banquier, il ne pourra pas faire grand-chose. Par contre, moi, je sais que tu connais très bien Trudeau. Si j'ai besoin d'un truc pour Trudeau, je vais demander. Sylvain, sois sympa, va voir Trudeau et demande-lui deux. Mais c'est pas, je ne te vénère pas pour autant, mais je sais que tu as des bons contacts. Alors, quand je m'adresse à ce tzadik-là, ça veut dire que ce tzadik-là, pour moi, c'est le modèle d'être qui, lui, est capable de s'adresser à Dieu.
Je vais vous le dire autrement. Qu'est-ce que c'est que le Mekoubalim? Qu'est-ce que c'est un Mekoubal? Transmet. Il reçoit. Il reçoit. Il reçoit. Il est agréé. C'est pas il reçoit, ça voudrait dire en hébreu, c'est Mekabel. Oui. Mekoubal, c'est celui qui est, comme tu as dit, Daniel a dit, c'est celui qui sait prier. Il est agréé. Il sait comment prier à Dieu, avec Dieu. Le premier Mekoubal, c'est le premier Mekoubalim, si vous voulez, ce sont les prophètes. Et le texte qui le dit pour Abraham, il dit, Dieu dit à Abimelech, rends-lui sa femme. Il priera pour toi parce qu'il est prophète, qu'il n'habille où. C'est quoi un avis? Eh bien, c'est quelqu'un qui est capable de dialoguer avec Dieu. D'en haut vers le bas, c'est la prophétie. Du bas vers le haut, c'est la prière. Et les Mekoubalim sont des êtres qui savent prier. Ils savent à qui ils parlent, et de quoi ils parlent, et comment ils parlent, etc. Ce qu'on ne sait pas, nous. On fait semblant. Si jamais vous allez en Israël, je vous recommande d'aller faire l'expérience, d'aller prier à la yeshiva de Dan, la yeshiva des Mekoubalim. La Ramida, Hazara de la Ramida, dure une demi-heure. Wow. Ils ont le texte comme ça, et ils ont ce qu'on appelle les Kavanot. Alors, d'abord, tu t'assois, on t'apporte le thé pendant la Hazara de la Ramida, hein, ne crois pas. Et tu as Baro, et là, ils tournent les pages. Ils tournent les pages parce que chaque demi-lettre, chaque signe a une Kavana particulière. Eux, ils ont prié. Moi, non. Bon, alors, j'écoute. Alors, quand je dis Rabbi Shimon Bar Yochai, pour moi, c'est mon modèle. Ça veut dire que j'aimerais être comme lui. Bon, mais j'y suis pas, ou j'y suis pas encore. Mais je vais lui demander de, étant donné que lui, c'est mon modèle, que ce modèle-là a déjà été agréé par Dieu, alors je lui dis, regarde, vers quoi je tends? Voilà ce dont, c'est ce dont moi, maintenant, j'ai besoin. C'est ça. Ça va. Mais encore une fois, il ne faut pas dire du mal des Juifs, autrement. Non. Encore une fois, la foi du charbonnier, bon, ben, elle pense que c'est celui-là qui va faire la job. Non, il ne ferait pas la job directement. Miche Berach a voté nous. Abraham, il sera Yaakov. Non, mais c'est qui a béni Abraham et Yaakov? C'est Dieu. Alors toi, Berach, voilà. Mais on demande une beracha de tzaddik. Mais qu'est-ce qu'il dit le tzaddik dans la beracha? Yébarecha Hashem. Que Dieu te bénisse. Moi, je ne suis qu'une courroie de transmission. Ça va? Alors, c'est assez clair, j'espère, le lien entre la naissance d'Isaac et la création du monde. Le monde, il y a un verset dans le deuxième chapitre qui dit la chose suivante. Elle est toldot hashamayim ve'aharet. Voici les engendrements des cieux et de la terre. Behi bale'am. Dans le fait que ils ont été créés. Et pas dans le fait que Dieu les a créés. Ce serait beboram. Alors le sujet, c'est lui-même. Les engendrements, et les Chachamim nous font remarquer que les Tollot, les engendrements du ciel et de la terre, Be'i Bareham, c'est Be'Abraham. C'est les mêmes lettres. Et ça commence avec Abraham. Pourquoi? Parce qu'il décide de se prendre en main. Yekir et Bor'o. Je reconnais que j'étais sur terre pour quelque chose. Dans un premier temps, au niveau très simple, je vais faire comme le patron. Après ça, on évolue un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour ça? Mais pour que je mérite. Isaac. Mais c'est trop rigoureux pour Isaac. Il est prêt. Alors, il faut y aller à quoi pour faire la synthèse des deux? Tout à l'heure, tu as parlé de l'homme qui discutait avec Dieu avant sa naissance. Alors, ça avait l'air très intéressant, je n'ai pas très bien saisi. Vas-y, termine la question. Ben c'est ça, alors je voulais un peu
Alors, il faut analyser le pluriel de la phrase. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image mm-hmm. », hein, à qui il s'adresse ? Il a besoin de personne pour ça. Il a fait ça et puis ça vient. Les anges. Pardon ? Les anges, non ? Non, mais pour les autres, il a besoin des anges. Ben, il met l'Elohim, il enlève la lumière. Les anges n'étaient pas favorables, peut-être aussi ? Non, mais les anges, par la suite, ils vont venir râler. Tu vois, chacune des valeurs va venir dire non, celui-là, il ne peut pas. Il n'est pas émette, il est plein de mensonges. Alors, il s'adresse, si j'ose dire, à la potentialité de l'être humain tel que Dieu la voit, pour savoir si, oui ou non, c'est un pari qui peut être gagné. Okay. Est-ce que, dans mon esprit, alors quand et il ne veut pas le faire de manière... il ne veut pas s'imposer, il ne veut pas imposer. Il s'adresse à cette âme globale qui va habiter tous les hommes à travers l'histoire, pour leur dire, est-ce que selon vous, je suis pas, est-ce que je suis dans la réalité ou est-ce que je rêve en couleur ? Non, c'est Adam. C'est pas le nom royal ? Ah, non, il n'y a pas chez nous le nom royal. Dans la Torah, il n'y a pas le nom majestueux. Où tu le vois ? Donc, quand Dieu parle. Mais Dieu parle, il dit Anochi, moi, c'est moi. Le Dieu, le jeu royal, c'est pas Annie, c'est Anochi, si tu veux. Mais c'est pas un pluriel. Ça, c'est une. Ça va, c'est une invention de la. Le roi de France. Et d'Angleterre. Et d'Angleterre. 4 km et demi de queue, 23 heures d'attente pour. 30 heures d'attente. Ils ont augmenté depuis tout à l'heure. Sommet à l'eau. Là, il faut quand même savoir une chose, cette fameuse reine qui a plein de qualités, c'est que pendant son règne, elle a visité. Plus de 150 pays. 130 pays, pas une fois l'Israël. Et pas une fois l'Israël. Kabadioma. C'était la reine d'Angleterre. Tu vois là, j'ai bon Dieu. Oh oui, ok. Donc, c'est, voilà, est-ce que c'est pas utopique ? Mais son fils est allé, Sylvain, son fils est allé deux fois. Son fils est allé, non, est allé, parce que je crois qu'ils ont un grand-père ou une grand-mère qui est enterré en Israël. Oui, exactement, oui, sa grand-mère. C'est sa belle-mère qui est enterré. Oui, c'est comme ça. La reine d'Angleterre ou le roi. Mais quand même, il a consulté la reine avant d'y aller, j'imagine. Oui, bon, non, mais elle n'est pas allée. Alors, elle a un certain mérite. Ce sont tous des spermatozoïdes chanceux. Et parasites, comme tu avais dit. Et parasites. Voilà. Le rabbin Sachs raconte que il avait reçu une fois, avec la reine avait reçu un groupe de survivants de la Shoah. Oui, oui. Il dit que contrairement à son habitude, après l'heure impartie ou le temps imparti pour la visite, elle est restée, elle a pris tout son temps avec chacun des survivants qui étaient là pour parler avec lui, le faire, etc. Et c'était bon, si on lit ce que Sachs peut raconter, c'est une reine qui aimait les Juifs, en fin de compte. Jo, tu as toujours dit une chose, on s'est toujours apitoyé sur les Juifs morts et on n'a jamais défendu les Juifs vivants. Elle n'a pas de différence à faire d'abord à taille. Bon. Un jour, ces Anglais, des coloniaux, qu'est-ce qu'ils ont fait aux Indes ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'ils ont volé ? Comment on peut supporter des gens qui ont pillé des pays ? Ils ont violé l'Afrique, ils ont violé les Indes. Rapatrié. Va au musée à Londres. Ils ont pillé le monde entier. Sylvain, tu connais un peuple qui est lavé de toute exaction. Il n'y en a pas. Alors, ça veut dire que dans ce monde de mafieuses pourries,
Il y en a qui sont moins pourris que d'autres. Voilà, on va dire gentiment. Moi, je suis très manichéen un jour. C'est blanc ou noir. Tu aimes Israël, tu n'as pas Israël. Sylvain, tu vois Israël. Sylvain, il n'y a que du noir dans ton monde. Dans le monde que tu décris maintenant, tu reproches ça et ça. Il n'y a pas de blanc. Donc, c'est pas manichéen. Moi, je ne suis pas aveugle. Je ne veux pas la glorifier. Non, ce qu'elle a fait. Non. Moi, si j'avais à juger ou à juger, ben, je serais obligé de le faire de manière comparative. Ben, pas dans tel monde, tu comprends. Dans ce monde-là, ben, il n'est pas pire. Oui. Voilà. Tu es plus généreux que moi. Bon, mais c'est pas une question de générosité, c'est une question de. Oui. Même dans les films de mafieux, il y en a qui sont plus sympas que d'autres, sont plus bien sûr. Tiens, Joe, tu as raison. Alors, Joe, est-ce qu'on pourrait faire une prière pour la reine? Non. Pourquoi? Au nom de quoi? Une seconde, là. Nous, peut-être pas, mais les gens d'Angleterre, on doit faire une prière pour la reine. Oui, oui. Nous, on doit faire dans chaque pays. À notre tête des choix, c'est ça. Oui, mais pas n'importe comment, pas n'importe quand. Au moment du Kol Nidre de Yom Kippour. C'est ça. Mais les synagogues en Angleterre, elles priaient pour la reine à chaque fois. Mais en France pour le chef de l'État. C'est ça. Partout. Mais à chaque pays. Le Pirkei Avot nous dit Eve mitpalel bishloma shel malchut. Tu vas prier pour le shalom de la royauté. C'est une malébra. C'est parce que si on ne crie pas. Je vais avoir fait une balle. C'est ça, parce que si on ne crie pas à la rigueur. Eh bien, on s'entre-dévorerait. Mais est-ce que ça veut dire, si on prie dans la synagogue pour la reine, ça veut dire que nous, on fait partie de la transmission? Non, tu pries pour le chef d'État du pays dans lequel tu vis. Tu pries pour le chef d'État que ça se passe bien. Parce que s'il y a balagan dans l'État, eh bien, tu es en danger. Mais Joe, au Maroc, je vous rappelle tous les Shabbats, il y avait la prière pour le roi du Maroc. Mais partout. Tu plaisantes, bien sûr. Ça ne passait pas juste le Kol Nidre. Et le roi venait à la synagogue à Kippour. Oui. On est très loin de Rosh Hashanah. Est-ce que Rosh Hashanah, c'était clair? Oui. Joe, et Rosh Hashanah, encore une fois, pourquoi deux soirs et pas un soir? Parce qu'on est dans la galoute. Non, enfin, ça arrête les histoires-là. En Israël, c'est seulement un soir. Non, deux soirs en Israël. Jamais de la vie, en Israël, c'est deux soirs, voyons. Et ça veut dire qu'il y a un soir qui est en plus, Joe. Puisque... Non, absolument pas. Absolument. Joe. Alors, je reprends. Le premier jour, c'est la naissance d'Isaac en parallèle à la création du monde. Ça va? Le deuxième soir, c'est maintenant que le monde est créé et qu'il y a une naissance, que devient ce bébé-là? Le monde est créé, alors on fait la fête. Premier soir, on marque le coup. Le deuxième soir, c'est Dina Kashia. Mais donc c'est plus Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah plus 1. Mais encore une fois, la Torah ne parle jamais de Rosh Hashanah. Elle parle de Yom HaZikaron ou de Yom HaDin. T'as raison. Rosh Hashanah, c'est comme ça qu'on l'appelle au quartier, dans la bande à neneux, on ne dit pas Yom HaZikaron, ni pas Yom HaDin. On dit Rosh Hashanah, c'est global, c'est le nouvel an. Ça va? Voilà.